c'est une grande joie pour moi d'assister à ce grand concert organisé par le ministère de la Culture, hommage à un grand homme de la musique gabonaise, Ilarion Nguema. Je suis très, très, très content. Je vais interpréter Milan Missi. Milan Missi, les choses de ce monde. C'est bien que le pays pense à ces artistes-là qui ont été les pionniers de la musique gabonaise. Ilarion en fait partie. Donc, c'est un honneur pour moi de participer à son hommage, à l'hommage à cette fête de la musique pour lui. Je suis très ravie parce que j'aime beaucoup Ilarion en tant qu'artiste et en tant que personne. Parce que c'est une très belle âme, c'est quelqu'un de très simple qui ne se fatigue pas, qui se complique pas la vie. Voilà, c'est quelqu'un de très, très simple, voilà, et j'aime ce qu'il fait. Pour nous, c'est un privilège que d'être compté parmi autant de talents pour présenter un tel homme. Une personne qui a vu le jour avant, bien sûr, les indépendances et qui a commencé même sa carrière au début des années 60, donc à une époque où nous n'étions même pas encore des enfants, parce que moi, je suis né en 69. Donc c'est pas aussi vieux que ça. Alors Ilarion, c'est un père, c'est un personnage hors pair, parce qu'il a quand même été à une période où le Gabon démarrait sur le plan culturel, une fois, du moins traverser les frontières musicalement, ça n'a pas été évident. Ils étaient très rares à cette époque-là. On pouvait citer Pierre Akendegué, Pierre Claverzin. Et Ilarion a été parmi ceux qui ont vraiment été assez persévérants pour qu'aujourd'hui, on entend parler de lui un peu partout, que ce soit au Cameroun, dans la sous-région, malgré l'influence du Congo, parce qu'on sait que cette époque-là, c'était les Kabasele et les autres qui faisaient les tout-puissants au jazz avec Franco, Luambo, Makiadi, qui faisaient vraiment parler de l'Afrique. Mais nous avions quand même déjà nos artistes à nous, notamment Ilarion Nguema. Turn it for me, we are.
Nous avons pensé au niveau du ministère que nous avons la chance d'avoir encore Ibrahim Guéma vivant. Il a traversé, on va dire, des décennies. Il a vu plusieurs générations, il a vu des mariages se faire sur sa musique. Et nous nous sommes dit, plutôt que de l'argent, parce qu'en définitive, ça ne sert à rien, c'est sa musique qui nous a accompagnés. Et nous avons pensé offrir cette guitare à Ilarion Guéma pour indiquer qu'il lui faut encore nous proposer quelque chose. Il nous doit un album. Et par cette guitare, il va essayer de... Promettre à la femme qui est ici, si l'on n'est pas possible de la poser.